Cartman, t'as déjà dansé avec le diable au clair de lune? Je parie qu'un nom. Hey, des étrangers veulent faire un casse. Faut appeler des renforts. Y a un gros gars et un petit garçon. Techniquement, ils sont dans notre camp. Mais on peut les viser aussi. Vous n'avez pas été suffisamment généreux. De toute façon, je vais pas le prendre personnellement. Homer, vite! Il y a du gras de bacon à lécher sur le crâne du dino. Selon Flanders, ces vieux os ont été plantés dans le sol par Dieu. Où est la cage du singe? On peut résoudre ça à la dure ou à la méga dure. Je vais te faire manger ces mots. Vous voulez vous battre, mes petits pères? Je vais vous montrer la sortie. Je vous appellerai quand je voudrais savoir où je trouve les water. Eh bien, voilà un gros monsieur et un petit bonhomme. Abruti! Vous avez froissé ma douce sensibilité. J'ai peur de toi, mais tu me perturbes. Hey, tu peux pas te réfugier sans cesse derrière ta mèche de cheveux. J'ai perdu une lentille. Yep.
Sortir toutes les ordures fait partie de mon job. Oh non, les policiers sont plus rex. De l'aide, au secours. Notre mission est d'arrêter une bande de brutes. Oh, j'aimais bien me battre contre les gars pourtant. Enfants au tribunal. Ouais, mais super pouvoirs ne font pas le choix face à votre force électrique. J'espère qu'il a une bonne assurance santé. Notre premier diorama présente la vie de nos ancêtres. Une des caractéristiques qui a rendu les premiers humains uniques est l'apparition des mains à quatre doigts que nous connaissons aujourd'hui. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je m'aime bien. Mauvaise nouvelle. J'ai envie de mettre des raclés aujourd'hui. Bonne idée. Garde le sol, au moins. Nous continuons notre visite avec l'histoire de Gebedia Springfield, le noble fondateur de Springfield. Selon la contre-enquête de Lisa Simpson, le père de notre ville était en réalité un pirate assoiffé de sang. Mais oubliez ce que je viens de dire, ok? Hé, c'est trop génial, on devait t'écouter. Des kilos en plus. Regardez-moi, je suis Walter. La prochaine fois, vous réfléchirez à deux fois avant de faire n'importe quoi. Regarde, par ici. Je suis sur le nuage dehors, idiot. Je me demande ce que ces grosses boules représentent. Je me demande quelle planète a des toilettes. J'ai une mission urgente. Vous vous êtes trompés d'adversaire, vous deux. Je te règle de mal... Le soleil, masse de gaz incandescent, forêt nucléaire incandescent. Où sont mes manières? Laissez-moi vous présenter mon bâton. Je suis déjà assez méchant avec moi-même. Les trois quarts de la Terre sont recouverts d'eau essentielle. Allez, vas-y, parti. Mercure a été nommé ainsi en hommage au dieu romain du même nom.
Les effets nuages qui enveloppent Vénus entraînent un effet de serre qui maintient la planète à environ 500 degrés. C'est grave si je fais du stop. Si vous pesez 90 kg sur Terre, vous allez en faire 35 sur Mars, en raison de la plus faible masse de la planète rouge. Une ceinture d'astéroïdes sépare les quatre planètes inférieures du système solaire des cinq autres planètes. Ma ceinture, à moi, permet à mon pantalon de rester en place. Les sept anneaux de Saturne sont composés de milliards de particules de glace, un peu comme le cœur de mon ex-femme. Des orages ininterrompus balayent la surface de Neptune. Oh, et puis, tu me ferais un petit café, moi. Ça fait des heures que je déclame mon texte. Pluton est la seule planète qui n'a pas été encore étudiée par une sonde spatiale, car elle est inintéressante. Je me dis que je devrais peut-être arrêter de me laver les cheveux tous les jours. Il paraît que ce n'est pas bon. À la fac, j'ai dû faire des trucs pas possibles pour être admis dans ma fraternité. Armageddon, avec les meilleurs seconds rôles de l'histoire du cinéma. Je me demande qui va gagner avec un idole. J'ai une histoire drôle. J'ai tué le gars qui m'avait demandé de lire tous ces trucs barbants sur les planètes. Yep.
À toute une génération d'élèves de s'intéresser à la science. Mais je ne me fais plus d'illusions. Désolé, hein? On aurait pu arriver plus tôt, mais c'est à cause de ma pille. Il y a une Elton Avenue au nord et une autre au sud. Pas facile de trouver la bonne. Voilà une leçon à retenir, Skinner. Avouer un crime ne sert à rien. Bouclez-le, chef Wiggum. Je sais très bien que je dois boucler. C'est pas gentil de m'en guirlander pour ça. Tu vois, ce bouquin dit que tu as aussi des pouvoirs de jeux vidéo. C'est pour ça que tu peux te transformer en boule gigantesque. Ce livre est trop difficile. Dites-moi ce que je dois faire. J'espère que j'ai l'air assez menaçant pour repousser les aliens. Je vais pas me cacher éternellement derrière la mèche qui me couvre le visage. What?
Hors de mon chemin! T'es nul. Enfin. Le grand cric me croque, si j'ai mal entendu. Maintenant que t'es le plus gros lard de l'univers, tu peux gagner le concours de bouffe à la brasserie d'œufs. Allons-y. Plus que 20 ans avant mon départ, alors. Faut arrêter ça. Un concours de bouffe, hein? Allez, Homer, et surtout, souviens-toi, il ne faut pas mâcher. Mâcher, c'est pour les nuls. Faut avaler direct, faut avaler. J'espère gagner. L'année dernière, j'étais le premier à dégobiller. S'il te plaît, ne parle pas de vomi. Dans le métier, on appelle ça un incident à la romaine. Ah ouais, ça fait plus classe. Mais pourquoi tu t'inquiètes? T'as des pouvoirs de jeux vidéo pour t'aider. C'est presque de la triche, mais... C'est de la triche. Wouhou! De la triche! Duffman vous souhaite la bienvenue au concours de bouffe Super Duff. Je t'ai dit mon futur triomphe à feu, ma mère bien-aimée. Elle a fait une attaque pendant un concours de bouffe de Haggis. Oh, il récupérera mes dignidades. Grande faim, grande responsabilité. Messieurs, préparez votre appareil digestif. Avant d'art, prêt, parfait. Avant d'art, prêt, bouffé. Pas mon os. J'ai un spagnacre sur un CM2 de 80 kilos. On me tamponne. C'est un véritable carnage auquel se livrent nos concurrents. Oh yeah. Oh, pardon les mecs. Tellement gros qu'il va déborder sur le Mexique. C'est impossible de se battre avec le ventre vide. Vous allez voir le gros Wiggy à l'œuvre. Je vais te lâcher sur la tête. Je suis trop hard rock pour toi. C'est ma juridiction. Dégage. C'est moi qui commande. Je te battrai même avec les yeux dans le dos. Demande de renfort. Andale, andale. Je vais encore la demande. Je suis un vrai champion, vous allez voir. Je me rends, prenez mon vache. Vous pouvez être tenu pour responsable de la transformation des... Ces concurrents sont de vraies machines à broyer la nourriture. Officier touché, officier touché. Tu manges comme une mauviette. Tu peux pas gagner si tu perds. Réfléchis bien. T'es dans mon espace personnel. J'ai plus d'espace à remplir dans mon tatouage que toi dans ton corps entier. Délicieuse. Les vainqueurs d'abord. Ayonara. J'étais tous les mangeurs de végémites. Je mangerai tes restes. Oui, Pika. Oh. Thank you.
écoute-t-il? J'adore manger autant que j'adore jouer du heavy metal. Homer est plus énorme qu'un concert de CDC. Ah, espérons qu'ils aient la mâchoire bien accrochée. J'ai toujours une longueur d'avance sur la bouffe. Pas le temps de digérer. Vous pourrez manger un bœuf peut-être. Solo ha venido a salvarme. Vous vous inclinerez comme une antenne à quand vous aurez perdu. Je pourrais pas supporter que vous remettez malade. Ah. Aïe, mucho bobo. Pas le temps de savourer. Mucho gusto. Ah, le Mexique, les souris courent vite et les repas sont épicés. Hé, j'ai un flingue. Quoi résister derrière la ligne? Aïe, attention, je suis armé. Personne ne défie Cornet. Personne. Son masque est terrifiant. Silence pour le super taco. Oh yeah. Ce super taco était un peu sec. Bart s'est déguisé. Vengeance. Attention, partons, champ de vent. Sur Bartman, allez vous faire voir en enfer. C'est quoi cette frite avec une cape? Et des ringards à l'étape. Ouvre de salopio. Je vais pas vous laisser faire. Si vous continuez, je vous envoie Metallica. Je mange pour compenser. Vous embrouillez jamais avec un écossais. Je vais vous battre si vite que mon bus roule. Je me fixe un but. Oui. Willy est bien trop rusé pour les Américains. De l'air. Mon bracelet commence à me serrer les poignets. Prosternez-vous devant un grand monstre du rock. Je n'ai jamais vu de telle ardeur dans la gloutonnerie. Une grosse défaite salaud. La revanche, c'est la meilleure vengeance. Il n'y a qu'un seul leader dans ce groupe, et c'est moi. T'es encore pire que moi. Piquez ton déjeuner. T'as l'air idiot. On s'efface devant le chef Albertson. Mortel, c'est des ménages. Vous sentez plus mauvais que du haggis pourri. Code 315, un citoyen se transforme en boule géante. Si je fais des efforts, je serai peut-être aussi gros que toi un jour. Il y a des miettes de partout. Excusez-vous. Je suis fou furieux et je vais vous battre. Je suis vraiment un porc. Vous n'aurez jamais mon culte. Faut pas chercher un écossais. Ah!
Tant mieux, ça fera pas de boulot. Ouais, c'est dingue. Bart est déguisé en Batman. Tu m'as pas aimé ça. Moi, je vais devoir desserrer mon culte. Oh. Hey, tu t'es déguisé en quoi, loser man? T'écoute. Nous sommes témoins d'une scène de coifferie extraordinaire. Regarde, Bart. Un ulos qui fait plus grand que toi. Des medals. Visite tes innis. Aime-les ou mange-les. Que les pouvoirs de la grande bouffe soient avec moi. Ça donne faim, le Hard Rock. L'Italie, le pays des pâtes, de la pizza. Des pâtes à pizza. Vous ne pouvez pas battre Percy. Je vais t'écraser comme un piéton à New York. Pas moyen d'être plus infâme et couille. Vous n'êtes pas capable de manger comme nous. Aïe, 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 aïe. Merci, je pourrais en avoir encore. Gaz!
gagner le point de contrôle. La fin du temps, votre Tobèze. Oh non, le temps est écoulé. Je lâche pas des crosses à un CM2 de 80 kilos. Je suis fou furieux. Ces concurrents sont de vraies machines à broyer la nourriture. J'ai l'air jouer du heavy metal. Oh, ma belle boulette de viande. J'ai à peine eu le temps de te connaître. Laissez Otto faire son solo. Je vais vous battre aussi vite que mon bus roule. Jamais sans ma barre. C'est ma juridiction. Je suis un vrai champion, vous allez voir. Si vous continuez, je vous envoie Metallica. Je me fixe un but, rien ne m'arrête. Prosternez-vous devant un grand monstre du rock. Faut pas chercher un écossais. Dégage. C'est un véritable carnage auquel se livrent nos concurrents. Oh yeah. C'est bien meilleur que les petits plats de Sarah. Je vais te marcher sur la tête. Excusez-vous. Vous allez voir le gros Wiggy à l'œuvre. Vous sentez plus mauvais que du haggis pourri. Je pourrais pas supporter de vos remères malades. Vous avez le droit de garder votre rôle de perdant. Hey. Les bracelets commencent à me serrer les poignets. Attention, je suis armé. Nous sommes témoins d'une scène de coiffeurie extraordinaire. Je vais piquer ton déjeuner. Tu vas apprécier ta défaite, Grenil. Voir, t'as du style en costume. Hey. Personne ne défie Cornet. Personne. Tu manges comme une mauviette. Je vais t'avoir. Il est battu. Ici officier obèse. Départ en mission. Bart, t'es peut-être plus fort, mais t'es ringard avec ta cape. C'est moi qui commande. Mords-moi si tu peux. Tu veux un oignon, mauviette? Un justicier masqué? Tant mieux, ça me fera moins de boulot. Hé, hey, j'ai un flingue. Hey, c'était pas cool. Andale, andale. Oh, pardonnez-moi. Les vainqueurs d'abord. Le
vainqueur d'aujourd'hui gagnera un célèbre soin pédicure de Duffman. Attention, partout, chaud devant, son masque terrifiant. Je mangerai tes restes. Sur la ligne. Je passe. Vamonos. De l'air. Sayonara, Zoro ha venido a salvarme. Pourquoi résister? On s'efface devant Jeff Albertson. Une grosse défaite s'annonce. T'es dans mon espace personnel. C'est un moment de goinfrerie insoutenable. Du rock. C'est ma juridiction. Laissez Otto faire son solo. Vous allez voir le gros Wiggy à l'œuvre. Dégage! Si vous continuez, je vous envoie Metallica. Mon bracelet commence à me serrer les poignets! Hé! J'ai un flingue! Je suis un vrai champion, vous allez voir. Ouais, c'est dingue. Bart est déguisé en Batman. Je vais vous battre aussi vite que mon bus roule. Si Duffman était allé plus longtemps à l'école, Duffman serait loin, très loin d'ici. C'est vrai que j'ai jamais vu un truc aussi beau. USA! 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 Bienvenue en Amérique, le pays de la boisson sans sucre hyper sucrée et des menus XXL! Non!
liberté a pris un sacré coup. Aïe, aïe, aïe. La statue de la liberté va avoir des courbatures demain matin. J'ignore quand Marge va se réveiller et renifler ce qui lui sert de mari. Je crois que je vais vomir. Sérieux? Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, j'ai envie de me planquer dans un... Que le grand Creek me croque, si j'ai mal entendu! Je serais dans de beaux draps si je devais aller en prison! Je suppose qu'il est normal que le soleil brille en été. Thank you.
dit que tu avais des super pouvoirs. C'est génial. Tu les as eu comment? Manuel. Ce manuel présente des implications métaphysiques étonnantes. Nous devons le remettre aux autorités compétentes. On pourrait faire ça, mais ça te dirait pas de découvrir tes pouvoirs à toi d'abord? J'ai des pouvoirs? Waouh! Avec ces nouvelles capacités, je peux servir la justice sociale. Oh non, on pourrait pas passer ce niveau. Allez, on va rigoler. Tu vas pouvoir taper plein de méchants. Bah, s'il y a du grabuge... Alors nous allons raser toutes les forêts de Springfield et chaque arbre coupé sera transformé en cure-dent de luxe. Super idée, monsieur Burns. Juste une petite question. Ça ne risque pas de créer, disons, une catastrophe écologique? On ne fait pas une omelette sans saccager un peu la planète. Bien dit, monsieur. Bien dit. Bien sûr, si c'est des volcans que vous voulez voir, vous n'êtes pas au bon endroit. Là-bas! Ils sont là-bas! Oh! Petits avortons. Et ma belle retraite, alors. J'aime pas les... Notre terre a honte de vous. Saleté d'écologistes. Je déteste les adultes. Je suis trop fier pour supporter ça. C'est la faute des libéraux. Arrêtez-vous, que je vous tue. Allons-y. Foutaise. Bande de nulos. Amis des animaux. Pépite gamin. Tu Dieu que ça fait mal. Que la tranquillité soit avec vous. Idiot. Vous êtes des idiots. Méchant. Pourquoi tu nous ferais pas un peu d'air en dégageant d'ici? Mais les écolos n'ont rien compris. Coupez des arbres, fépés de gamins. Je déteste avoir mal comme ça. Amis des animaux. J'aurais peur d'un vrai bûcheron, pas d'un mec comme lui. Foutaise. Déteste. T'as quelques kilos en trop. Vous êtes des idiots. Chapez-les. Il est temps de nettoyer les ordures. Petits avortons. J'aime pas les arbres. Idiot naturophile. C'est la faute des libéraux. C'est trop humiliant. Ah!
chair fraîche. Chat devant. Ça va couper, hein. Le seul, l'unique, Bartman. Original. Mais ça fait peur. Thank you.
une éco-machine de combat. De la forêt. Non, on dirait un bio violacé. Oh mon Dieu, on dirait une tronçonneuse. Ah non, c'est une tronçonneuse. Hé, Carl, pourquoi on se dispute autant? Parfois, je crois que c'est parce que c'est tout ce qui nous reste. Yes!
se mettront très en colère. Le travail est un privilège, pas un droit. L'application au travail de... Comment? Vous voulez travailler le jour de Noël? Très bien, apportez. Supérieur, loyaux travailleurs. Alors, quelle est la différence entre un flan et une crème brûlée? Comment osez-vous me demander ça? Les propres. Écraser, tuer, détruire. Que la fête commence. Ouh, ah, vous allez perdre. La compagnie est votre amie. Deux petites fûches chaudes. Vous êtes nuls. Je suis dit, c'est une merveille. Pas si terrible que ça.
Je ne saurais jamais ce qui va arriver à Claire et Charlie dans Lost. Je laisse le gouvernement s'en occuper. Si je meurs, je me risque à habiller pour l'autopsie. À l'aide, j'ai un pot de cuisine taille ce soir. Mon docteur m'a dit qu'il fallait que j'évite d'être scié. Au secours, maman. Mon seul souhait, c'est de voir mon spleen s'envoler avec ses lames de tronçonneuse. Prenez-moi mes parmiers, Carl. La kilomancienne m'avait bien dit de ne pas m'accrocher des tapis roulants. Dépêchez-vous, sale gosse, on est presque mort. Est-ce là la fin de ce calcasson? Dites à Lenny, j'aimais... Si je meurs, je veux rester habillé pour l'autopsie. Des choses pas ouais n'arriveront plus quand Obama sera président. Ah, maintenant je saurai jamais ce qui va arriver à Claire et Charlie dans Lost. Alain, j'ai un cours de cuisine thaï ce soir. Laissez Lenny m'emmener au yoga. Allez, sauvez-nous! Au secours! Je laisse le gouvernement s'en occuper. La kilomancienne m'avait bien dit de ne pas m'approcher des tapis roulants. Mon docteur m'a dit qu'il fallait que j'évite d'être scié. Au secours, mes parents! Je lègue tout à mon copain Carl. Dépêchez-vous, sale gosse, on est presque mort. Sauvez-moi, je peux vous jouer. Vous nous avez sauvé la vie. Vous aidez où, les gamins? Oui, nous allons dire à tout le monde que nous avons été sauvés par... les enfants de mer, dont les noms sont... Bart et Lisa. Je ne crois pas que vous ayez oublié nos noms, vous nous connaissez depuis toujours. Bah quoi? Vous savez, on peut pas se rappeler de tous les enfants. Ah!
200 Américains besogneux qui vont perdre leur job. Comment on va nourrir nos familles maintenant? Vous pourriez toujours faire une nouvelle formation, comme gardien de garderie ou médecin sportif. Mais j'ai été bûcheron toute ma vie. Mon père était bûcheron, mon grand-père l'était aussi. Et mon arrière-grand-père aussi. Super histoire. Tout ce que je voulais, c'était détruire notre fragile écosystème. Et voilà comment me remercie. Je suis désolé, monsieur. Vous voulez que j'envoie des hommes de main mettre une raclée à Algor? Pourquoi pas, oui. Wolfcastle, je peux avoir un autographe? Bien sûr, mon ami, mais vous devez donner $1 à mes deux zinges en vrondière. Mes deux sous de bras sont aussi forts que le torboyau de ma grand-mère. Il paraît qu'en fait, tous les vaches viennent bien se faire tuer. C'est un crime d'être illettré maintenant. Son... Bonté! Ta vigilance a sauvé le musée. Pitié, ne me tue pas. Qui sait où se trouve l'Atlantide? C'est nous! C'est nous! Namasté! Est-ce que... Ah! J'aurais dû... Je devrais peut-être me remarier pour donner à Seymour une petite sœur ou un frère. Avec un grand sourire et des soins médicaux, on peut tout soigner. Ce jeu vidéo a transformé tous les enfants de Springfield en tueurs sanguinaires et on va y couche pas. Maman, je sais comment tu peux faire interdire ce jeu. Comment? Ce manuel nous apprend à utiliser nos super pouvoirs. Alors je peux parler aux baleines comme Aquaman? Ou je peux faire les mêmes trucs que Hawkman? Non, maman. Avec ta persuasion, tu peux convaincre les foules de faire tout ce que tu veux. Oui, comme Oprah. D'accord, on va interdire ce jeu vidéo. Je peux commander des gens alors que c'est même pas la fête des mères. Je crois que c'est le pire des clichés pour un jeu vidéo. Hey, vous ! Vous êtes avec nous ? Je vous laisse bien passer, mais le chef est un idiot. Venez pas là! Pour me donner du courage, je vais boire une bière sans alcool. Allons-y, tout le monde! Je n'arrive pas à croire que nos enfants nous reprochent notre ouverture d'esprit. Oh.
un jour, vous connaîtrez la vérité. Mais pour l'instant, je vais vous demander de rebrousser chemin. Je n'ai jamais compris pourquoi les femmes avaient peur des souris. Allons-y ! Je sais bien que nous sommes une foule assoiffée de sang, mais l'odeur est-elle obligatoire ? Vous êtes tous invités à la Casa Flamderini pour prendre le thé. Par ici ! À nous de jouer ! Je n'ai pas été aussi remonté depuis les jours où je suis arrivé en retard à la messe il y a 12 ans, 4 mois et 5 jours. Allez ! Qui est avec moi ? Je veux bien vous rejoindre, à condition de ne pas avoir à remplir de carnet de santé. Je sais bien que nous sommes une foule assoiffée de sang, mais l'odeur est-elle obligatoire ? Persécuté, fasse un pas en avant. Promis, je ne vais pas porter plainte. Je suis d'une humeur. Je ne vais pas être très perplexe sur ce coup-là. C'est pas mon problème. Les adultes comprennent vraiment rien à la vie. Venons à la porte. Rien à faire des anciens. Je veux une augmentation. Bonjour à mon ami, le petit Jésus. Le chewing-gum à la poubelle. En avant toutes. Je suis aussi émue que le jour où je me marierai. Pas venir ici, c'est interdit. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il y a rien dans le coin. Ça vous plairait de revenir par là et moi j'aimerais visiter Cleveland. Mais aucune de ces deux choses ne va se produire, ok? Je vais tester mon nouveau gaz lacrymo. Allez chez le coiffeur. C'est l'heure du calme. Venez combattre mes ennemis avec la puissance de mon intellect. Ouais, vous trouvez ça cool de revenir dans le coin? Vous allez adorer mes balles en caoutchouc. Que fait votre dieu là? Thank you.
supervise le périmètre sans trop bouger. Ok? Voilà, je vais danser sur ta tombe. Je vais mettre mes waclés aujourd'hui. Voilà ce qu'on nous apprend. Si j'enlève mes lunettes, qui c'est qui a l'air idiot? Vous étiez des poules mouillées dans une autre vie. Shaft. J'ai appris deux, trois trucs à la guerre. Je vais vous expédier dans un monde meilleur. Quand je raconterai ça à ma Brandine. Rappelez-moi, docteur, tout va bien. Suivez mes cheveux. Hé, hey, ne me faites pas venir jusqu'à vous. Ok, non, j'ai changé d'avis. Appelez la police.
protester, ça changera rien. Empoignez-vous à moi. Il y a un kawak très bien coiffé, mais je suis prêt à faire ce que vous voulez. Ensemble, nous vaincrons. Eddie, Lou, il y a du grabuge par là. Planquez-vous. À nous de jouer. Des adultes qui se battent. Il n'y a plus aucun ordre dans cette ville. Notre caméscope. On pourra le vendre aux chaînes TV. Thank you.
Très original. Je vais le faire disparaître plus vite qu'un burrito dans un resto mexicain. Allez, Maggie, montre-nous ce que tu sais faire. C'est mon enfant qui résout les énigmes. Détruisez-moi ça! Oh! Ma femme va me tuer si je ne rentre pas à la maison à l'heure pour qu'on se raconte nos journées de travail. J'ai bien envie de cogner aujourd'hui. Je vais vous sauter dessus. Vous êtes nuls, vous êtes pas chistes. Vous n'y échapperez pas. Pourquoi voulez-vous empêcher nos têtes blondes de s'amuser? Retournez en Russie! Je n'ai pas peur de me salir les mains. Ce ne sont pas les parties de mon corps que je préfère. Donnez-moi votre liberté! Je vais leur donner une bonne leçon. On vit dans un monde de couleurs! Il ne faut en rester qu'un! Arrête tout ce qu'il était! C'est le plus fort, Frankie! Rendez-vous en enfer. C'est l'enfer. Votre combat n'a aucun sens. Montrez un peu qui commande. Je vais y mettre autant de cœur que Spikos avec Gorgs. Prosternez-vous. Cette guerre des jeux vidéo! Les deux camps ont tort, mais le vôtre un peu plus quand même! Ça va cogner! Sauvez nos enfants en détruisant nos opposants! Ne jugez pas mes fouins d'un point moi!
Respectez mon autorité! Je vais les buter, mais je vais faire ça à la mot. Allons-y! Entrez chez vous, idiot ville! La classe populaire sait aussi se faire entendre! C'est le prière, imbécile! Je vais déchaîner ma colère sur les abus avec une fureur biblique! Je vais leur couper la tête et repeindre mon appart avec leur sang! Moudillez-le! Je vais mettre ce truc en mille morceaux! De la police. Ta faille proche. Allez, je veux tout casser. On dirait un logo d'entreprise. Ça doit être pour une usine de produits chimiques. Attention. Alléluia. Construisez-le. Comme par chez moi. Bon boulot, féminine. Quelques points de figure. Amen. Venez par là. Je suis président de la Ligue des gays et des lesbiennes. Pourquoi pas de cette manifestation? Rassemblez les pièces. Cool. Laissez-moi sortir! Je vais te détriper! Votre combat n'a aucun sens! Embrassez mon trou noir! Ah, ça serait vraiment dommage qu'une foule en colère détruise cette statue! Je vais vous châtier! Je vais te casser la figure! Taillez-le en pièces! Scalpel! Merci! Allons faire un peu de casse! Je vous rejoins! J'étais parti pour cambrioler l'orphelinat, mais ça faisait un peu cliché! Les jeux vidéo, c'est nul. Les yeux, c'est plus haut. Si pas, il est récupérable.
Je maîtrise le karaté. L'écossais chatouilleux, mon gars. T'as pas l'œil. Les faibles subiront mon poing dans la gueule. Je vais vous faire la peau. Non, mais dites-moi que c'est pas vrai. On sent la peur, c'est nécessaire. Personne ne résiste à Edna. Alors c'est qui le gardien qui refoule? Ah, pour l'amour des mulots. En avant. Yeah. Ha. Repentez-vous, gros naze. Ah ouais. Je veux rajeunir. Yeah. Félicitations, Quimby. Vous avez fait de grandes safes Scratchy Day un succès retentissant. Merci. On pourrait peut-être fêter ça avec les stagiaires. Hein? Des assistantes sexy? Ben, c'est sexy à Springfield. Hein? Oh là là. Je pense qu'il ne va pas sortir. Nous allons utiliser notre botte secrète. Non, Ned, pas encore. Je parlais de Maggie. Respectez la loi. Du plancton. Si vous voulez jouer dans mon magasin, vous inquiétez. Vous avez fait une bonne pioche. Je n'ai plus que ça va faire des mères. Bouge pas, tes petits saliers. Je suis aux anges. Regarde, ça va faire, les miens arrivent. En plein dans le colonie. Ça va faire mal. Ok, je suis prêt à recevoir mon pot de vin. Ouais, le symbole du dollar, c'est ma religion à moi. Je vais pas te manquer ma tête de popularité, mais moi, grave. Mon Dieu, elle est chaude, l'eau de ce jacuzzi. Une foule de parents furieux. Il y a même une sénatrice, Quimby. Vous m'aviez promis qu'il n'y aurait pas de manifestation. Vous disiez que la ville était remplie d'idiots qui avaleraient nos beaux discours. Eh bien, je vous retire votre pot de vin! N'ayant pu obtenir un pot de vin suffisant, j'ai décidé de retourner ma veste et d'interdire la vente de grandes sèvres scratchy aux mineurs, alors que ce sont les seuls qui voulaient jouer à ce jeu.
Maman, ce n'est pas un peu hypocrite de dénoncer la violence du jeudi Chi et Scratchy alors que tu utilises la violence pour faire passer ton message? Je suis désolée, Lisa. Je ne t'entends pas avec tout le bruit de cette foule admirative. Oh. C'était trop tellement... Je ne pas me croire. C'était le plus beau jour de ma vie. Pinaise, toute ma vie j'ai voulu être éboueur et là c'est fait. Oh merde, tu voudrais pas mettre tes nouveaux pouvoirs au service d'une cause plus noble? Comme quoi, manger des terroristes et recracher des fleurs, et toi qu'est-ce que t'as fait de super bien? Pour information, j'ai mobilisé la ville pour faire interdire un jeu vidéo violent. Non, si les enfants peuvent pas jouer à Grand Theft Scratchy, ils connaîtront jamais les bases pour gagner leur vie, comme vendre des armes ou flaguer pour du fric. Mais dis-nous tout, Bart. Il paraît que t'as détruit la moitié du musée d'histoire naturelle et c'est mon endroit favori pour trouver du réconfort. Puisqu'on en est à se balancer des trucs pas sympas, ton petit exploit avec les bûcherons a mis plein de gars honnêtes au chômage. Leurs vies sont brisées. T'es vraiment un gros idiot. Tu ne saurais même pas te servir d'un super pouvoir. T'es vraiment naze, ouais, un gros naze. Nous y sommes. Enfin, et ça nous a pris seulement 300 décennies. Vous nous avez appelé pour venir visiter votre espace intersidéral. Pourquoi se dispute-t-on toujours au sujet de nos plans de vacances? Tu as raison, on va les atomiser. Je parie qu'ils viennent piquer notre bulle. Hé, écoutez-moi! On a des super pouvoirs! Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans les navets que j'ai vues, c'est que les super pouvoirs donnent des super responsabilités! Alors sauvons ces villes et foutons les fesses de ces aliens! Si jamais ils en ont! Nous attaque parce que Lisa a un gros popotin. Voilà. Très bien, j'enfonce la porte, tu entres. C'est encore plus triste que chez Mo. Mo, c'est un mec vraiment triste. Bart, écoute-moi. Je crois savoir où est parti le professeur Frink. Non, crétin, le panneau. Sa lecture, c'est pour les nouilles. Allez, viens.
des caisses, des pièces, des cœurs, des vieux personnages de jeux vidéo. On est où là? Ça ressemble à une usine. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Ils fabriquent des œufs vidéo. Quand j'ai traversé mon portail spatio-temporel, j'ai découvert un monde parallèle au nôtre. Bienvenue dans le moteur de œufs. Ouais, ouais, génial, tu parles. Notre ville est attaquée par des aliens. Tu ne comprends donc pas, petit. Toute ta vie jusqu'ici n'a été qu'un jeu vidéo. Ouais, ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Nos pouvoirs de jeux vidéo ne sont pas assez puissants. Il faut les améliorer et vite. Eh bien, j'ai anticipé le problème. Et j'ai fait ce que tous les joueurs coincés dans un niveau finissent par faire. Vous avez triché? Exactement. Voici le guide stratégique. Livre d'astuces? Je ne sais pas, Bart. Je veux bien évidemment sauver les vies de nos amis, mais de là à être malhonnête... Pour l'amour du ciel, allez, Frink, laissez-moi voir ce bouquin! Au secours, un singe géant! Et son contact n'est pas des plus agréables! Et encore un nouveau cliché! Je suis censé être impressionné! Je sais même plus pourquoi je pouvais pas piffrer le docteur Robotnik. La première page, super! Faut que je pense à plier deux ou trois trucs là-dedans. Je suis Spider-Man déguisé en Batman. Oh, si seulement j'étais à la maison. Je suis le meilleur! Enfin, je... Ah! Vous savez, je suis pas méchant, moi. Cerveau déborde de doigts.
je suis... Professeur Fink, soyez patient. 4, 8, 15, 16, 23, 42, allez! Fais exploser le crâne de quelqu'un. Attention dans la cour de récré. Un accident est si vite arrivé. Je ne veux plus entendre parler des tortues comme moi. Quatre, huit, quinze, 16, 23, 42, allez! Je pense pas qu'il soit venu parler littérature. Ah, c'est le mec de madame! Allez les gars! Mais les années 90, c'était quelque chose. Vive le verre! Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le moindre champignon.
Mon univers de fleurs et de champignons géants me manque. Pourvu que je trouve Zelda. Zelda! Le flanc de la falaise. Bouddha J'aime le sang, mais là, il y en a trop. Du sang? Oh, je pourrais pas être médecin. C'est bon à savoir. J'aimerais bien... Une bagarre féroce s'annonce. J'espère que j'ai assez de vie pour ça. Je trouve ce sang tellement... Un bon coup de poing.
J'ai passé la journée à faire de la muscu. T'es encore moins intelligent qu'un condamnant. Budget marketing pourrait servir à faire de meilleurs jeux. Du marketing pollue le domaine public.
passer comme ça. Voilà, plaquage offensif. Game over. Mais pas pour moi, pour toi. Très original. Thank you.
cave et hors de portée. Élimine ses sous-fifres et il reviendra. Massacrons le phase. Désolé les gars, il n'y avait rien de personnel. Qu'est-ce que t'as ramassé? Oh, moi qui reçois un, ça va recevoir. Petite Lisa, balance plein de coups sur le paumé sans fin. Je suis bien content de voir ce super fave en mauvaise posture. Vive notre fraternité! C'est ici, j'ai démarré une nouvelle vie dans ce monde, avec un nouvel fiancé. Enfin, une femme qui me comprend. Je suis follement amoureux. Elle est drôle en plus. Je suis très heureux. Oh!